faut toujours bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Il ne faut jamais céder sur un coup de tête. Alors moi, je ne cédais pas. Je voulais simplement me recentrer sur une activité à fort potentiel de développement. Et l'autocar, chez nous, ne faisait plus partie de mes objectifs prioritaires. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici dans le Finistère à Châteaulin en compagnie de Michel Salin. Bonjour Michel. Bonjour. Dirigeant de Salin Holidays. Merci de nous recevoir au sein de votre groupe ici au siège de Salin. Expliquez-moi d'abord ce que représente le groupe Salin aujourd'hui. Alors, le groupe Salin était initialement autocariste puisque mon grand-père a monté l'entreprise en 1932. Mon père l'a développé, moi j'y suis entré en 1982. Les chiffres clés du groupe aujourd'hui ? 650 collaborateurs, en moyenne sur l'année, jusqu'à 800 en pleine saison, 140 agences de voyage et 240 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Et quel a été le projet mené avec Acticam ? Alors, j'ai rencontré Pierre Bourralin en 2011. Ça a matché tout de suite avec Pierre et ses équipes. Donc, j'ai eu confiance. Je n'ai même pas eu envie de proposer ces dossiers à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai souhaité céder mes affaires d'autocar pour continuer à développer notre marque Tour Operating, Salin Holidays, également National Tour, et notre réseau d'agences de voyage. J'avais déjà bien enclenché ma réflexion de cession des entreprises d'autocar et Pierre m'a accompagné de façon absolument efficace et remarquable. Et quelle a été la valeur ajoutée d'Acticam ? Alors, Acticam, puisque j'avais 7 sociétés d'autocar à revendre, donc sans être pressé, il faut bien sûr trouver des acheteurs potentiels qui continuent à développer ce que nous avions fait. Et nous étions sur plusieurs régions, donc nous étions sur l'Alsace, en Bretagne, en Pays de Loire. Donc je n'avais pas le temps, moi, de suivre tous ces dossiers-là. Pierre, par son expertise et également par sa connaissance du métier d'autocariste, a été parfait dans son accompagnement. J'aurais d'ailleurs dû me regarder le dossier avec Pierre 10 ans avant. Merci Michel.